Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. En ce moment, c'est le Xiaomi Fan Festival. Et donc, qui dit Xiaomi Fan Festival dit série spéciale Redmi. Et donc, nous avons ici le Redmi Note 13 Pro Plus 5G Xiaomi Fan Festival Edition qu'on va découvrir ensemble. Donc, le Xiaomi Fan Festival Edition, c'est un Redmi Note 13 Pro Plus 5G classique, juste avec du coup le dos silver et le petit logo du Xiaomi Fan Festival. Donc, on va le découvrir ensemble. Il est disponible, donc là, il est en 12Go de RAM, 512Go de stockage. La couleur, donc ils appellent ça Mystic Silver. Sinon, c'est un Redmi Note 13 Pro Plus 5G classique. On va avoir un MediaTek Dimensity 7200 Ultra dedans. L'écran AMOLED de 6,67 pouces en 120Hz. On va retrouver les trois caméras à l'arrière, dont le capteur de 200 millions de pixels, l'autre de 8 millions et l'autre de 2 millions. Donc le 8 millions, ça sera le grand angle, et le 2 millions, ça sera pour le macro. On va regarder ça ensemble maintenant, parce que bon, le packaging, ici on va retrouver le petit logo du Xiaomi Fan Festival 2024. On ouvre la boîte, on va mettre ça ici. Déjà, on va aller regarder le téléphone dans un premier temps. Au niveau des accessoires, on a le câble USB-C qui est inclus et le chargeur 120 watts parce que le téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh. Et il est compatible hypercharge 120 watts, donc du coup livré avec son chargeur 120 watts. Au niveau du téléphone, donc qu'est-ce qu'on disait donc tout à l'heure, la caméra 200 millions de pixels, l'écran AMOLED 120 Hz, le MediaTek Dimensity 7200 Ultra, la charge de 120 watts avec la batterie de 5000 mAh. Il est IP68, donc résistance à la projection d'eau et à la poussière. Et donc on va le découvrir ensemble. Voilà pour le... Il est un peu sale. Donc voilà, en fait, le Mystic Silver, ici, je trouve ça magnifique. Donc on retrouve quand même les objectifs assez imposants. Donc voilà pour le téléphone. Est-ce qu'il est chargé? Non, il n'est pas chargé. À savoir que ça, c'est un téléphone qui m'a été fourni par Xiaomi France. Pour tester, donc je vais l'utiliser pendant quelques jours, et après malheureusement je devrais le renvoyer, à mon grand regret, mais voilà, on va en profiter, on va faire des photos, on va le tester vraiment au max. Je vais le mettre à recharger en attendant, donc voilà, j'ai mis le téléphone à charger, en attendant on va continuer à découvrir les accessoires, parce que c'est quand même une édition spéciale Xiaomi Fan Festival 2024, et donc, bon, on a le petit outil pour la carte SIM classique. On a quand même des petites choses sympas. On va avoir une planche d'autocollant, ici, aux couleurs du Xiaomi Fan Festival 2024, enfin, en couleur. Elles sont argentées, transparentes, je sais pas trop. Et c'est assez sympa, c'est plutôt... Et la coque, on va avoir une coque, alors d'habitude c'est une coque transparente. Mais là, voilà, on va avoir une petite coque Design by Redmi, et une petite coque grise. Qui est plutôt pas mal en silicone aussi, mais juste elle est grise. Donc, je l'ai mis à recharger. Je reviens tout de suite dès qu'il est chargé. Donc voilà, on a chargé un petit peu la bête. Donc voilà. Ensuite, sinon, c'est classique. Hein. Donc là, il est en MIUI 14. Mais à mon avis, il n'est pas à jour. Il y aura sûrement des mises à jour. Voilà, sinon c'est classique, hein, c'est le téléphone classique. Mais voilà pour cette petite unboxing rapide de ce téléphone, du Redmi Note 13 Pro Plus 5G Xiaomi Fan Festival édition 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt sur l'univers Xiaomi, en attendant, prenez soin de vous, bye!